Marcel Campion n'a pas dit son dernier mot. Banni des Champs-Élysées par Anne Hidalgo, le forain le plus connu de France va ouvrir un nouveau marché de Noël dès l'hiver prochain. L'an dernier, la maire de Paris avait pris la décision de supprimer les stands de Noël qui jalonnaient la plus belle avenue du monde. La ville considérait que ce marché nuisait à l'image de marque de la capitale. Un affront pour Marcel Campion, qui était monté au créneau, dénonçant une injustice. Ce mardi 7 août, France Inter dévoile que le forain a finalement eu gain de cause puisqu'il devrait inaugurer un nouveau marché baptisé « La magie de Noël ». Ces nouveaux stands feront leur retour aux Tuileries, sur un terrain qui appartient au ministère de la Culture. La décision de réintégrer Marcel Campion vient donc de l'Élysée, et la mairie de Paris n'a pas son mot à dire. Si c'est le cas, c'est une grosse bêtise pour le gouvernement, a lâché un proche d'Anne Hidalgo sur France Inter. Une petite phrase qui annonce l'ouverture des hostilités entre l'Élysée et Paris.